Le caucus des peuples autochtones vous remercie pour cette opportunité de s'adresser au comité. Nous sommes reconnaissants pour l'inclusion du caucus des peuples autochtones dans la méthodologie de travail dans cette session qui est cruciale à sa légitimité. Les peuples autochtones, à travers cette région du monde, maintiennent et développent des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Les peuples autochtones ont subi d'énormes pertes de préjudice de leurs ressources génétiques, savoirs traditionnels, saccage de leur patrimoine attaqué culturellement et destruction de leur environnement. Malgré la déclaration des peuples autochtones des Nations Unies, de la Convention 169 de l'OIT, les États n'ont pas agi suffisamment. La vie de nos peuples autochtones doit être garantie, car en symbiose avec leurs ressources génétiques, l'environnement naturel, à travers leur savoir traditionnel, leur permettant de développer des capacités vitales de résilience pour faire face aux adversités en aide d'un apport inestimable. Les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles des peuples autochtones doivent être protégés dans un accord international contraignant. Ainsi, nous invitons les États membres à contribuer à l'augmentation du fonds volontaire de l'OMPI pour renforcer et accroître la participation des représentants des peuples autochtones aux activités de l'ICG. Nous réitérons nos vifs et sincères remerciements à tous les États membres et les généreux donateurs du Fonds de contribution volontaire de l'OMPI pour le financement de la participation des représentants des peuples autochtones. Enfin, nous attirons l'attention sur un point qui peut sembler mineur, mais qui, pour nous, a une importance majeure. Les peuples autochtones sont mentionnés en crochet. Ce débat a été résolu par la Déclaration des Nations Unies des peuples autochtones, adoptée en 2007. Et l'OMPI fait partie des Nations Unies. De plus, l'Assemblée générale de novembre 2022, dans sa résolution des peuples autochtones, a inclus le concept de peuple autochtone avec un P majuscule et un A majuscule et sans crochet. Merci pour votre aimable attention.